Oh sire, le clairvoyant, l'apparent ou le caché, rien ne lui échappe. La foi d'un homme est à son summum quand il sait qu'Allah le voit, tant intérieurement qu'extérieurement. Prie Allah comme si tu le vois, et si tu n'arrives pas à le voir, sache que lui te voit. Allah connaît le contenu des poitrines. Parfois, tu regardes vers une direction, car il n'est pas possible de regarder vers deux directions à la fois. Mais Allah regarde toutes ses créatures sans exception dans les moindres détails. L'œil de l'homme a besoin de lumière pour voir. L'œil, aussi perçant soit-il, ne sert à rien sans lumière qui lui renvoie l'image de l'objet qu'il regarde. Alors qu'Allah crée des ténèbres. Un voyant et un non-voyant se retrouvent à pied d'égalité dans le noir. La lumière pour l'homme est indispensable. Allah, lui, dans la nuit noire, une fourmi noire sur une pierre noire, Allah la voit. Allah se passe de pupilles, de paupières ou autres. C'est l'observateur des observateurs. Un savant a dit, celui qui est sur le point de commettre un péché, tout en sachant qu'Allah le voit, comme il a de l'audace envers Allah, et comme il est perdant.